Good morning, allez, Yiden et Tusra aujourd'hui, les Loïnishmat, Mourir Shmuel ben Shlomo Zalman, Nissim ben Ahouda, Sarah, Batran Rachel, Shlomo ben Esther, Erisha, Batrim, Nechemia, ainsi que l'Irfouat, Avram, Uri ben Reout, Betor, Shachol Israël. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Michel, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions Maserhet Zvachim, Perek Dalet, Mishnahei, Kodeshe, Nochrim, Ein, Chayavin, Alehem, Mishum, Pigul, Notar, Vetame, והשוחתן בחוץ פטור דברי רבי מאיר, רבי יוסי מחייב. דברים שאין חייבין עליהם משום פיגול, חייבין עליהם משום נותר, משום תמה, חוץ מן אדם, רבי שמעון אומר בדבר שדרכן להיאכל. אבל כגון העצים והלבונה והקטורת, אין חייבין עליהם משום תומה. Dernier sujet du pigoul, essentiellement, on va parler du kodshe nochrim. Les kodashim, les sacrifices que les goy apportent au Beth Amikdash. Il faut savoir que la Torah a donné la possibilité à un goy d'apporter un korban au Beth Amikdash. Il y a un ribouy, la Torah, dans la Torah il y a marqué Ish Ish mi Beth Israël, ou Minager Asher Ekriv Korbano. Là-bas il y a marqué, pas Minager, Ish Ish mi Beth Israël Asher Ekriv Korbano. On a répété deux fois le mot Ish, Chachamim on déduit, pour inclure que même un goy peut apporter un korban. Il peut apporter, s'il veut, une Ola ou des Shlamim. Bien sûr, pas un Khatat ou un Sham, puisque quand il transgresse des fautes, il n'est pas passible d'apporter un Korban. Donc, on ne pourra pas apporter un Korban. Ouais, on aura l'occasion d'en parler, qu'il y a des Korbanot qu'on peut en faire un don, et il y a des Korbanot qui sont obligatoires. En l'occurrence, le Goy, lui, peut décider de faire des dons de Ola et de Shlamim, et on recevra son Korban. Maintenant, la Mishnah vient nous dire, sache que, premier avis, Machloket en fait entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi, Rabbi Meir va nous dire, sache que le goy, c'est vrai qu'il rend son korban kadosh, nous on ne doit pas consommer ce korban, il doit être offert et tout ça, mais en tout cas, il faut savoir qu'il n'y aura pas les interdits classiques des korbanot, et on va expliquer ensuite d'où on le déduit, d'accord? Pour le moment, je présente le trait général de la Mishnah, de la première partie, où Rabbi Meir va nous dire, les korbanot des goyim tués, on ne transgressera pas le grave interdit de pigoul, ou de notar ou de tamé, qu'on va expliquer tout de suite c'est quoi. Tandis que Rabbi aussi va nous dire oui, on transgresse. D'accord? Maintenant, la Mishnah va évoquer concrètement après. Étant donné qu'on va évoquer trois interdits par rapport au goy, au korban du goy, qui sont les interdits de pigoul, notar et tamé, du coup, la Mishnah va sauter sur l'occasion pour ensuite entamer d'autres précisions en rapport avec le pigoul, le notar et le tamé. Donc on va expliquer c'est quoi pigoul, notar et tamé, d'accord? Tamé d'abord, c'est très simple, un korban qui, une viande par exemple, que l'on devait manger initialement, et qu'il y avait un problème, elle a touché une impureté, alors on n'a plus le droit de consommer cette viande, il faut la brûler, d'accord? Ça c'est du tamé, il y a un interdit particulier sur ça, sur celui qui mange de la viande tamée, ça va être déduit dans la partie de la semaine prochaine de Emor, il y a marqué là-bas, « Veinazru mekotche bene Israël » La Torah écrit au Korbanam, la Torah donne un ordre de nous tenir à l'écart de tout ce qui est kadosh et qui est devenu impur. D'accord? Ça c'est pour le tamé. Et il y a ce qu'on appelle le notar, à bien différencier du pigoul. Ça se ressemble, mais c'est pas la même chose. Le notar, c'est lorsque je suis limité dans le temps pour manger un korban, j'ai par exemple un jour et une nuit pour un khatat et un sham, deux jours et une nuit et la nuit du milieu pour un shlamim. Si j'égorge le korban comme il se doit, et on verse le sang au misbéach et on le mange, alors on a le devoir de se dépêcher de le manger dans les deux jours. Si on dépasse la limite de temps donnée par la Torah, alors là on va transgresser l'interdit de notar. Notar, c'est un reste, il a dépensé, la Torah elle a donné un interdit de le manger, et elle a donné aussi une mitzvah de le brûler. D'accord? C'est ce qu'on appelle le notar. À différencier du pigoul, pour lequel l'interdit n'est pas le fait de dépasser les limites de temps, mais plutôt d'avoir au moment où on égorge, on a l'intention de dépasser les limites de temps. Et là, c'est très intéressant, mais l'interdit devient plus grave, il y aura un interdit de karet, alors que sur le notar, si je ne me trompe pas, il n'y a pas d'interdit de karet dans le notar. D'accord? Et donc, on peut faire la première partie déjà dans les mots. Il y aura un petit problème, il y a un petit mot qu'on n'a pas expliqué, c'est quoi Shochatan Bachutz? On va d'abord lire, traduire et puis après on explique. Kodeshe Nochrim, donc on a dit les korbanot des goyim, les kodashim des nochrim d'un goyim. En chayavin alehem mishum pigul notar vetame.
on ne transgresse pas en eux le d'interdit de manger, si on les a mal égorgés et apportés au Beth Amikdash. Alors il n'y aura pas d'interdit de pigoul si on a eu l'intention de le consommer ou de le faire monter sur le misbah au-delà des limites de temps permise. De notar, si toutefois une fois qu'on l'a égorgé comme la halakha le prescrit, on l'a laissé, on l'a délaissé, il a dépassé les limites de temps ensuite. Vétamé, ou bien si la viande elle est devenue impure, et bien si on le mange, on ne transgresse pas l'interdit sur lequel on est condamnable. Je ne sais pas s'il n'y a pas du tout de lave, mais en tout cas, il n'y aura pas de. Ouais, je pense qu'il n'y aura pas du tout de lave en fait. En chayavin alem, peut-être qu'il n'y aura pas juste de malkout, je ne sais pas, je n'ai pas vu la précision. Et d'accord. L'origine de ça, donc comme ce qu'on a dit, c'est qu'il y a marqué Vénazrum et Koché Béné Israël. Il faudra se tenir à l'écart des korbanot des Béné Israël. Et la Torah elle a précisé, elle a insisté sur le Béné Israël pour te dire, par contre, d'égoïm, tu n'es pas astreint à te tenir à l'écart. Donc apparemment, il n'y a pas d'interdit du tout. D'accord ? Ok ? Et de ce fait, puisque c'est écrit dans le Tamé, on déduit par Xerachava qu'il en va de même pour le motard, pour le reste, et pour le pigoul. Ok ? Shortan Bachus, va Shortan Bachus Patour. De quoi on parle ? J'espère qu'elle va nous laisser tranquille, sinon on arrête le cours et on le refera ensuite. Va Shortan Bachus, c'est celui qui les égorge en dehors du Beth Amikdash. Il y a un interdit, on a un devoir, un korban, doit être nécessairement égorgé à l'intérieur du Beth Amikdash et pas à l'extérieur. Celui qui l'égorge à l'extérieur transgresse un interdit. Et alors là, la Mishnah vient me dire, sache que face à un korban d'égoïm, si tu l'égorges en dehors du Beth Amikdash, tu ne transgresseras pas l'interdit de Shochet Bachutz, d'égorger à l'extérieur du Beth Amikdash. Divrei Rabbi Meir, telle est la vie de Rabbi Meir. Rabbi aussi, Mechayev, et Rabbi aussi, condamne. Et le Tosaf Yom Tov précise, c'est discuté, mais en tout cas, telle est la vie du Tosaf Yom Tov, il condamne sur tous. Donc on transgresse Pigul, Notar, Tamé et Shochet Bachutz. Ok ? Fin de la première partie de la Mishnah. Du coup, on a exprimé dans cette première partie de la Mishnah la similitude entre Pigoul et Notar Tamé. La Mishnah va venir me dire, sache que dans certaines situations, tu transgresseras l'interdit de Pigoul, mais pas l'interdit de Notar et de Tamé. Ou plutôt au contraire, tu transgresseras pas l'interdit de Pigoul, mais tu transgresseras l'interdit de Notar et de Tamé. C'est ce que la Mishnah me dit. Dvarim shen chayavin alem mishum Pigoul. Les choses pour lesquelles on n'est pas condamnable à cause de l'interdit de Pigoul, qui sont les choses qui étaient explicitées dans la Mishnah Gimel. Ouais, regardez-les, vous revenez de cours en arrière, ça va être trop long à reprendre, donc quoi. On prendra un petit exemple ensuite. En tout cas, Dvarim Shen Chayavin Alem Mishum Pigoul, les choses pour lesquelles on n'est pas condamnable à cause de l'interdit de Pigoul, sache que malgré tout, Chayavin Alehem Mishum Notar. On transgressera, on sera condamnable malgré tout, si on les a laissé dépasser les limites de temps et qu'on les a mangés alors que c'est interdit de les manger. Ou Mishum Tamé. Ou encore l'interdit de les manger alors qu'ils sont devenus impurs. Avec une seule exception, Chutz Min Adam, à l'exception du sang. On rappelle très brièvement la notion qu'il y avait. Il y avait le matir. Vous vous rappelez? Le matir, chez Karev, à matir, kemitzvato. L'échantillon que je vais prendre du korban pour le faire monter sur le Mizbeach. Et que grâce à lui, ça va permettre tout le reste. On apprenait la grande règle que pour l'interdit de Pigoul, ce que je fais monter sur le Mizbeach, il a le statut, lui, qui va, le statut de celui qui va permettre la consommation de l'autre. Lorsque je fais un interdit de Pigoul, eh ben, tout ce qui reste à consommer, sur lui, il y a un interdit de Pigoul, tandis que sur la chose que j'ai fait monter sur le Mizbeach, il n'y aura pas d'interdit de Pigoul. C'est original. On va prendre un exemple concret. J'apporte une mincha, hein, une oblation de blé, et donc le Kohen doit prendre maintenant une pincée et jeter cette petite pincée sur le Mizbeach. Grâce à ça, ensuite, les autres Kohanim vont pouvoir manger le reste de l'oblation. Eh bien, si toutefois, il jette, une fois qu'il a fini de jeter au feu ce comète, cette pincée, si quelqu'un va et récupère la pincée, par exemple, et qu'il la mange, il ne transgressera pas un interdit de Pigoul. C'est-à-dire, c'est le Kohen qui a apporté cet échantillon, cette pincée-là de blé de farine. Il a eu une mauvaise intention, il a eu l'intention de le consommer au-delà des limites de temps permises, il y a eu un interdit de pigoul sur la mincha, et bien l'interdit de pigoul ne s'appliquera pas sur l'échantillon. D'accord ? Donc on apprenait qu'il n'y avait pas d'interdit de pigoul sur l'échantillon. Uniquement sur le reste. La Mishnah vient et m'enseigne « Dvarim shen chayavin alem mishum pigoul » les choses pour lesquelles on n'est pas passible de pigoul, donc l'échantillon,
ou encore si je prends toute la mincha, c'est une mincha d'un Kohen qu'il fallait entièrement mettre sur le misbéar, donc il n'y a plus de matière dans un cas pareil par exemple. Alors la Mishnah me dit, Chayavin aleihem mishum notar ou mishum tamé. Tu transgresseras quand même l'interdit de les consommer si toutefois ça a été des restes qui sont restés au-delà des limites de ton permis, ou mishum tamé, ou encore si toutefois ça c'est devenu impur et que tu l'as consommé alors que c'était impur, tu transgresseras l'interdit. Même s'il n'y a pas d'interdit de pigoule pour eux, il y aura quand même un interdit de notar et de tamé. À une seule exception, chutz min hadam, à l'exception du sang. C'est-à-dire, j'égorge le corban, je récupère le sang, je vais et je verse le sang sur le misbéar avec intention de consommer le corban au-delà des limites de ton permis. Le corban, il est devenu pigoul. Sur le sang, nous apprenions qu'il n'y a pas d'interdit de pigoul parce que c'est lui le matir, selon la même règle. Si, donc, ça veut dire si quelqu'un va récupérer ce sang et va le manger, le boire, eh bien, ce sera écœurant et transgressera même un interdit de consommer le sang. Il y a un interdit spécial pour celui qui mange du sang, un interdit sur lequel on est passé d'un riouf karet. Mais en tout cas, il n'aura pas le karet de pigoul, parce que c'est le matir. Eh bien, la Mishnah vient m'enseigne que sache que pour le sang, il n'y aura pas non plus d'interdit de notar et de tamé, parce que le sang, tel que ça a l'air, il n'y a même pas de gdoucha. La Torah nous a dit Vani natati lachem et adam, je vous ai donné le sang. Quelque part, lorsqu'on apporte un korban, on se doit sanctifier la bête. Eh bien, le sang, il n'est pas kadosh. Le sang, c'est la part profane qui nous appartient à nous, que nous, on va l'apporter au Misbéar sans qu'elle ait la propriété du Hekdesh qui s'applique sur lui. D'accord ? C'est « Shelachem yehe kish'ar chulin velo kekodashim » il rapporte le Panthénois. « Vanin natati lachem et adam » le sang, il vous appartient à vous. Vous, vous devez le prendre et l'apporter, mais en tout cas, il n'a pas de gdusha qui est khal, je ne sais pas, est-ce qu'il n'y a pas du tout de gdoucha ou pas, tel que ça rapporté, on dirait qu'il n'y a pas du tout de gdoucha, d'accord. Les kaparas netatives velo le meila, regardez dans le Parthénois, c'est écrit. Ensuite, donc finalement, je récapitule, donc les choses pour lesquelles on n'est pas passible de pigoul, il y aura quand même un interdit de notar tamé, à l'exception du sang. Bien Rabbi Shimon nous dit, attention, Rabbi Shimon, non mais Rabbi Shimon dit, bedavar, sherkan le achel, uniquement pour les choses qui sont consommables, qu'on a l'habitude de les manger. Chez Darkan, qui est lié à l'habitude, le derer, c'est l'habitude, les he achel, à la forme factitive, manger, de se faire manger, donc les choses qui sont consommables. Tandis que, aval, kegon ha etzim, par contre, les bûches de bois que l'on devait amener, ça existait de faire un korban etzim, de prendre des bûches de bois et de le faire monter sur le misbar en offrande, ou encore, veha levona, c'était une certaine en sens qu'on apportait avec le lechem panim, avec certaines menachot, qu'il fallait récupérer et le verser et le jeter sur le misbéar, mais qui est une encens, c'est pas consommable. Ou encore vaktoret, tout simplement, la vraie encens, les 11 samamanim, et que, donc imaginez qu'il y a eu, ça a été impurifié, eh bien, en chayvin aleim mishum tuma, on ne transgressera pas un interdit de les consommer s'ils sont devenus tamés, s'ils ont été impurifiés, souillé, il n'y aura pas d'interdit que quelqu'un les mangera. Il transgressera probablement d'autres interdits, mais en tout cas, par rapport à l'interdit de manger un kodesh qui est tamé, il ne transgressera pas l'interdit de manger un kodesh qui est tamé, impur. Pour quelle raison? Parce que tout simplement, Rabbi Shimon nous dit quelque chose qui n'est pas mangeable, il n'y a pas d'interdit de manger. C'est déduit du pasouk. Attendez, je l'ai une seconde. Ouais, je ne précise pas. Et par contre, il faut savoir, par contre, le partenariat allonge pour le préciser, que Chachamim déduisent d'un verset que même ce qui n'est pas consommable, il y a malgré tout un interdit de manger quelque chose de tamé si toutefois ça a été impurifié. Par exemple, j'avais une bûche de bois. Dans certaines configurations, on peut apporter un corban de bûche de bois, ou tous les matins d'ailleurs, on apportait une bûche de bois, deux bûches de bois même. Comment ça s'appelle déjà? Shnex Iretim, quand dans les corbanotes on le lit, dans un baillet. Là-bas, il y a marqué Shneg et Ziretim. Il fallait prendre deux bûches de bois. Et bien, si quelqu'un récupère cette bûche de bois, elle a été impurifiée, et quelqu'un, ça va lui prendre de manger du bois, et bien, il va transgresser l'interdit de manger un korban tamé selon Chachamim. Tandis que d'après Rabbi Shimon va nous dire bien, puisque ce n'est pas consommable, il n'y a pas en cela d'interdit. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Selah.